Bonsoir Dissa, voilà, je vais te poser quelques questions. Qu'est-ce que tu en penses du match de ce soir contre Malines? On savait déjà on savait que ça allait être un match très difficile. On avait fait un jeu égal avec Malines jusqu'à ce qu'on prenne ce but tout juste avant la mi-temps, à la 40e minute, si je ne me trompe pas. Bon, après, en deuxième mi-temps, on était venu pour jouer un peu plus haut et pour mettre la pression sur la défense Malino. Et bon, après tout juste 20 minutes après, ils ont fait le deuxième but sur un autre coup franc. Donc après ça allait être ça s'est devenu encore plus dur. Donc voilà, si tu prends deux buts sur un coup franc, une phase arrêtée directe, c'est compliqué de revenir. Oui, oui. Dus hij heeft aangevoeld dat het een heel moeilijke match was deze avond. Ook op gebied van verdediging was het echt niet gemakkelijk. En tijdens de tweede helft heeft hij aangevoeld dat het nog moeilijker was. Jusqu'à présent, tu as fait un but. À Rousselaar, tu en as fait beaucoup plus. Est-ce qu'il y a une explication pour ça? Pour moi, le plus important, c'est l'équipe. Bon, pour l'instant, l'équipe, ça marche bien. Donc, voilà, j'espère que les buts vont venir. Donc, déjà, il faut que les occasions viennent. Si les occasions viennent, forcément, les buts vont venir. Bon, pour l'instant, quand un attaquant il marque pas de buts, bon, c'est un peu frustrant. Mais il faut que je compense maintenant de faire quelque chose pour l'équipe. Donc après, moi je suis toujours patient. Donc là, moi j'ai pas de doute à ma capacité. Donc faudra faire le compte à la fin de la saison. Oui. Dus in het verleden bij Rousselaren heeft hij toch wel heel veel doelpunten gemaakt. Tot nu toe bij KVO 1 doelpunt. Maar hij gelooft nog altijd in zijn eigen capaciteiten. En hij zegt ook dus dat hij tot nu toe nog niet echt de kans heeft gehad. En tout cas, je te souhaite bonne chance dans l'avenir. Et surtout que tu auras l'occasion de faire des buts. Merci beaucoup. Dank u wel.